14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, les mystères de Martin Ney, suspect numéro 1 dans l'enlèvement et l'assassinat de Jonathan Coulon, un enfant disparu brutalement d'un centre de vacances au premier jour du printemps 2004 dans une commune proche de Saint-Nazaire. Dans la matinée du 7 avril 2004, plusieurs véhicules de gendarmerie barrent l'accès d'un centre de vacances en plein centre de la petite commune de Saint-Brévin-les-Pins, une station balnéaire familiale du pays de Ré. Les gendarmes inspectent l'une des chambres de l'établissement qui accueille des écoliers du département du Cher. Le petit Jonathan Coulon, 10 ans et demi, en classe de CM2 dans une école d'Orval, près de Bourges, est arrivé ici il y a une semaine. Au matin, son lit a été retrouvé vide. Ses camarades de chambre dormaient profondément et n'ont rien entendu. Plusieurs éléments inquiètent les enquêteurs. Tout d'abord, Jonathan est parti seulement vêtu de son pyjama. Sans chaussures, ni chaussons, ni chaussettes. Ses parents, arrivés rapidement à Saint-Brévin, décrivent un enfant plutôt timide, heureux de se retrouver en vacances au bord de l'océan pour la première fois. Un petit garçon qui n'a vraiment rien d'un fugueur. Il est établi que la serrure de sa chambre était cassée depuis plusieurs jours et n'avait jamais été réparée. Le lit de l'écolier était juste à côté de la porte. Autant d'éléments qui vont dans le sens d'un rapt, tout aussi rapide qu'audacieux à la faveur de la nuit. La piste familiale est rapidement écartée. Les parents, Virginie et Stéphane Coulon, forment un couple uni. Jonathan n'était pas au centre d'une guerre familiale. Les recherches pour retrouver le petit garçon battent leur plein. Le bâtiment est vaste et le ravisseur semblait connaître les lieux. Le personnel du centre de vacances est longuement entendu. Un camping tout proche est exploré, tout comme la petite forêt de pins de la Pierre Attelée face à l'océan. Des résidences secondaires fermées sont visitées. Les jours passent, mais pas de traces de Jonathan qui a vraisemblablement été enlevé de force, embarqué dans un véhicule. Pas moins de 480 automobilistes vont être interrogés. Les enquêteurs mettent rapidement en place une cellule spéciale, Disparition 44, qui va recevoir plus de 400 appels en quelques jours sans qu'aucun d'entre eux ne soit vraiment concluant. Au fil des investigations, les gendarmes vont recenser une trentaine d'agressions sexuelles commises dans des centres de vacances de la région Sud-Loire entre 1982 et 1998. Toujours le fait d'un individu qui gagnait la confiance des enfants et était à l'aise dans ce milieu, indique alors le lieutenant-colonel Pierre Potti. Cet agresseur-là, non identifié, se serait-il changé en ravisseur ? 19 mai 2004, plus d'un mois après la disparition du petit Jonathan, des résidents du manoir de Porte-Calon, sur la presqu'île de Guérande, à une trentaine de kilomètres de Saint-Brévin-les-Pins, contactent la gendarmerie. Un corps est à demi immergé dans un étang tout proche. Les secours et les enquêteurs n'ont pas de difficulté à identifier le cadavre du petit Jonathan Coulon. Son ravisseur, qui est sans doute aussi le tueur, s'est livré à un rituel bien précis. La victime a été totalement déshabillée. Des cordelettes de nylon enserrent les chevilles, les poignets et le cou de façon à placer l'enfant en position fœtale. Son assassin a pris le soin de lester le corps avec un parpaing de 18 kilos afin d'empêcher qu'il ne remonte à la surface. L'autopsie ne peut pas déterminer si l'enfant a subi des violences sexuelle. En l'état, Jonathan serait mort par étouffement. Un expert conclut que le corps a été récemment immergé. Le petit garçon aurait donc été séquestré dans la région avant d'être tué. De quoi accréditer dans ce premier temps une piste locale. Les gendarmes vont privilégier la piste du tueur local, le porte-à-porte va continuer, les fichiers de délinquants sexuels passés au crible, alors que l'affaire Jonathan Coulon éveille des soupçons bien loin de la Bretagne, de l'autre côté du Rhin, en Allemagne. Dans les jours qui suivent la découverte du corps martyrisé du petit Jonathan Coulon, l'Office fédéral allemand de police criminelle prend contact avec la gendarmerie. Une équipe fait le déplacement jusqu'à Saint-Nazaire. Si les Allemands sont aussi prompts à réagir, c'est que leurs experts ont été stupéfaits en prenant connaissance de la mise en scène ayant entouré la mort de Jonathan Coulon. Un homme qui a ciblé un centre de vacances, a enlevé et agressé un petit garçon dans le but certainement d'abuser de lui sexuellement, puis l'a tué en l'étouffant après l'avoir ligoté d'une façon bien précise. Autant de détails qui rappellent le mode opératoire d'un individu qui sévit outre-Rhin depuis le début des années 90 et qu'on surnomme Der Schwarzmann, l'homme en noir, ou encore Der Maskermann, l'homme masqué.
entre 1989 et 1992 en Allemagne. Il a agressé une vingtaine d'enfants dans des centres de vacances. En 1992, il est devenu l'un des criminels les plus recherchés du pays. Trois meurtres en 92, 95 et 2001. Trois garçons de 8 à 13 ans, Dennis Klein, Dennis Rostel et Stéphane Yard, tous enlevés dans des centres de vacances, assassinés et ligotés, les corps dissimulés à plusieurs kilomètres du lieu de l'enlèvement. La PJ allemande est troublée par autant de similitudes. L'homme masqué est-il un tueur en série itinérant? La piste allemande est d'autant plus intéressante qu'à Guérande, là où le corps de Jonathan a été découvert, un témoin, un agriculteur sur son tracteur, avait été intrigué par la présence d'un véhicule immatriculé en Allemagne, arrêté près du plan d'eau. L'agriculteur avait vu un seul homme près de la voiture, un homme de grande taille. L'hypothèse d'un pédophile et tueur en série allemand est prise au sérieux par les enquêteurs français, même si ces derniers continuent à privilégier la piste locale. Après la découverte du corps dès le mois de juillet 2004, les investigations se sont ainsi focalisées sur une diagonale Saint-Nazaire, Saint-Brévin-les-Pins, presqu'île de Guérande. Le dossier s'appuie sur les conclusions d'un expert qui a daté la mort bien après l'enlèvement. À l'appui de cette démonstration, le procureur adjoint de Saint-Nazaire, Jacques Noguelou, affirme à l'époque, il apparaît certain que Jonathan a été séquestré un mois et la séquestration s'est vraisemblablement déroulée dans la région nazérienne. Après 4 ans d'enquête, avril 2008, ce même magistrat revient sur ses propos. Une évaluation incertaine de la date de la mort a sans doute été de nature à orienter l'enquête de manière trop étroite. La nouvelle juge d'instruction a alors relancé l'enquête. Elle a missionné la cellule d'analyse criminelle de la gendarmerie à Rosny-sous-Bois pour réétudier des milliers de pièces de procédure au cas où un détail aurait échappé aux enquêteurs. Après 5 ans d'enquête, au printemps 2009, la juge Alice Bironneau se rend en Allemagne. Elle s'intéresse à la piste de l'insaisissable homme en noir, ce tueur en série qui serait venu frapper en France. Les vérifications ne donnent rien de concret. Malgré la ténacité de la juge, les investigations tournent en rond. 2000 relevés d'empreintes digitales effectués, 1500 prélèvements ADN, comparés notamment à une goutte de sang retrouvée dans la chambre du centre de vacances, sont pratiqués. Près de 500 auditions de témoins et d'habitants de la région, mais aucune garde à vue. Aucun suspect digne de ce nom. 15 avril 2011, l'Allemagne donne à nouveau de ses nouvelles. Celui qu'on surnommait l'homme en noir ou l'homme masqué a été interpellé. Il s'appelle Martin Ney, 40 ans, un ancien militaire, chauffeur routier, devenu éducateur pour enfants. Martin Ney avoue une quarantaine d'agressions sexuelles et 3 meurtres. Il dément être impliqué dans la mort de Jonathan. Pas d'aveu dans ce dossier, même si l'avocate de la mère de Jonathan, maître Catherine Salsac, note « Les faits sont similaires, à chaque fois le même mode opératoire ». Martin Ney dément donc avoir enlevé et tué le petit Jonathan. Certains de ses bavardages vont pourtant le replacer en pleine lumière dans ce dossier, faisant d'un seul coup de la piste allemande la plus solide qu'il soit. Martin Ney, condamné en 2012 à la prison à vie en Allemagne pour les enlèvements, séquestrations et meurtres de 3 petits garçons, a fermé la porte concernant la mort de Jonathan Coulon en avril 2004 à Saint-Brévin-les-Pins. La police criminelle allemande demeure persuadée qu'il est pourtant bien derrière ce crime, mais aussi derrière celui de Nicky Verstappen, un jeune néerlandais de 11 ans enlevé et tué aux Pays-Bas. En 2017, Martin Ney se livre à l'un de ses co-détenus à la prison de Sel, en Basse-Saxe. Ce dernier va rapporter ses propos. Il affirme que Ney s'est plusieurs fois confié et a détaillé certains de ses crimes. Il a notamment fait état d'un viol et d'un meurtre qu'il aurait commis en France, celui d'un petit garçon en Bretagne. Martin Ney a donné des détails qui jusque-là ne sont pas sortis dans les journaux. Il explique ainsi avoir été surpris de ne pas avoir été interpellé dans cette affaire car il avait égaré sur place son sac à dos en cuir. Il y avait à l'intérieur de quoi le confondre. Il indique aussi avoir été vu par un homme avec un chien alors qu'il venait de se débarrasser du corps. L'agriculteur qui était sur son tracteur vers 22h quand il avait aperçu un homme près de sa voiture, le coffre ouvert face au plan d'eau, ce témoin était effectivement accompagné ce jour-là de son chien.
au pôle criminel de Nantes. Le troisième juge du dossier, Jonathan Coulon, Stéphane Lorentz, s'empare de ces précieuses informations. Pas question pour l'instant de mentionner le nom de Martin Ney ou de faire état de ses confidences. Le juge lance le 6 avril 2018 un appel à témoins concernant la découverte d'un sac à dos en cuir marron de type besace, refermé par un lacet et muni de poches. Un bagage qui pourrait avoir été trouvé à Saint-Brévin-les-Pins ou à Guérande. Le parquet de Nantes refuse de dire si ce sac pourrait être celui du meurtrier. Il est simplement présenté comme un élément pouvant faire progresser l'enquête. Les enquêteurs sont convaincus que l'homme qui a tué Jonathan n'en était pas à son coup d'essai. Dans le même temps, les polices ukrainiennes, polonaises et même grecques s'intéressent elles aussi à Martin Ney. Le juge Lorentz va demander à l'Allemagne l'extradition du suspect numéro 1. Les justices françaises et allemandes se partagent un même sentiment à propos de l'implication de Martin Ney dans la mort du petit Jonathan. Le pédophile et tueur en série va donc être remis temporairement à la France. Vendredi 22 janvier 2021, Martin Ney est présenté au juge de Nantes, Stéphane Lorentz, dans le dossier Jonathan Coulon. Le magistrat, accompagné d'enquêteurs, s'était rendu à deux reprises en Allemagne, mais par deux fois, le suspect avait refusé de les recevoir. Le juge Lorentz ne s'est pas découragé et a obtenu des autorités allemandes une remise temporaire de l'intéressé visé par un mandat d'arrêt européen. Le transfert devait se faire en 2020, mais la crise sanitaire a bousculé le programme. Lundi 25 janvier 2021, presque 17 ans après la mort de Jonathan, Martin Ney est mis en examen pour enlèvement, séquestration suivie de meurtre. Selon l'accord passé avec l'Allemagne, le juge dispose de 8 mois pour procéder à des interrogatoires, tâche plus ardue qu'il n'y paraît. Martin Ney va souvent se murer dans le silence, puis distiller ses réponses au compte-gouttes, démentant systématiquement les affirmations de son co-détenu. Au cours de ces 8 mois d'audition, Martin Ney ne va pas avouer le meurtre de Saint-Brévin-les-Pins, mais au fil des procès-verbaux révélés par le journal Le Parisien, surgissent des éléments troublants, des interrogations, des doutes. Comme si le suspect s'amusait à entretenir le suspense sur ce crime. À propos du petit Jonathan, il ne dément pas que ce garçon aurait pu lui plaire physiquement, sans pouvoir affirmer qu'il lui plaisait beaucoup. Il consent de dire que du point de vue de son âge, il pourrait correspondre à ses autres victimes. Quand le juge lui fait remarquer que son ordinateur n'a jamais été connecté à Internet en avril 2004, date de l'enlèvement, et qu'il n'a passé aucun appel depuis l'Allemagne, l'homme parle d'un hasard, tout en précisant « d'une manière générale, j'ai toujours fait en sorte de ne laisser aucune trace ». Je ne l'ai pas fait spécialement à ce moment-là. Martin Ney avait évoqué sur un forum pédophile la présence de l'homme en noir en France suite à la mort de Jonathan. Aucune forme d'aveu, selon lui, même si, dit-il, rétrospectivement, cela peut paraître effectivement suspect. Martin Ney va pouvoir repartir en Allemagne et continuer à purger sa peine dans son pays. Malgré l'absence d'aveu, le juge Lorentz pourrait retenir sa culpabilité et le renvoyer pour ce crime devant une cour d'assises. Au cours de l'enquête, Virginie Coulon, la mère de Jonathan, indiquait qu'elle attendrait tout le temps qu'il faudrait pour que l'assassin de son fils soit arrêté et jugé. Même si c'est au bout de 20 ans qu'on le retrouve, je serai la plus heureuse. Tout ce que je souhaite, c'est qu'on le retrouve, disait-elle. Après la mise en examen de Martin Ney, elle avait fait part de son soulagement. Son avocate indiquait alors « La maman de Jonathan a beaucoup d'espoir. Celle-ci ne pourra pas faire son deuil tant que le meurtrier ne sera pas identifié avec un nom et un visage. » Le 9 avril 2021, le juge Lorentz organise un transport sur les lieux du crime, en l'occurrence l'étang du manoir de Porte-Calon sur la presqu'île de Guérande. Il s'agit de mettre en situation Martin Ney près d'une voiture, en présence de l'agriculteur qui avait aperçu un homme dans ce coin peu après la disparition de l'enfant. Le témoin n'avait alors pas vu précisément le visage de l'individu. Lors de la reconstitution, il affirme que la morphologie de Martin Ney correspond à la silhouette aperçue à l'époque, celle d'un homme mesurant près de 2 mètres.
Il appartient désormais au juge d'instruction de décider de la suite, demander d'autres vérifications dans le cadre des investigations ou bien s'acheminer peu à peu vers la clôture du dossier. La famille de la victime ne peut pas imaginer qu'un non-lieu soit prononcé. Le juge pourrait estimer que même sans aveu, il dispose d'éléments suffisants pour renvoyer Martin Ney devant une cour d'assises. Déclaration recoupée du co-détenu, mode opératoire similaire, absence d'alibi au moment du meurtre, etc., etc. Martin Ney pourrait alors être jugé pour un crime qui, à ce jour, demeure une affaire non résolue. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.